Il n'y a rien d'officiel, mais le gouvernement a mis dans les tuyaux de prolonger ce fameux pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. C'est honteux! Et donc, à propos de ceci, il nous faut essayer de faire pression sur tous nos députés pour ne pas qu'ils votent cette loi scélérate. Alors, qu'en pensez tout ça? Le Conseil sanitaire, l'autre matin, le 5 octobre plus exactement, avait proposé un arrêt progressif du pass sanitaire, soit à partir du 15 novembre, ou avec des états jusqu'à la fin de l'année. Et le lendemain, il proposait de le prolonger jusqu'au mois de juillet. Alors, puisque nous sommes ici et que nous sommes nombreux, nous avons également prévu pour le 30 octobre un défilé à consonance mortuaire. C'est-à-dire que nous recherchons des bricoleurs pour construire 3 cercueils en carton. Et est-ce s'il y a des volontaires parmi vous qui se rapprochent de nous et nous mettrons en relation. Okay? Et donc à cet effet, ce jour-là, ce sera pour l'occasion d'Halloween également. Si vous le voulez, vous pouvez venir déguisé. Pour cette occasion, donc, de rendez-vous pour le 30 octobre. Voilà. D'accord. Oui, bonsoir, vous avez raison. Merci. Macron, ouais.
Et là, ce n'est pas une information officielle, mais voilà. Un ressenti de tous les gens qui étaient dans l'enceinte ce matin. Il y a toutes générations confondues, des plus jeunes à nos aînés. C'est la même incompréhension, le même questionnement qui revient. Pourquoi un laissez-passer pour aller à l'école, pour étudier à la fac, faire des achats, profiter du bon temps, au seul prix d'une injection qui chaque jour réduit un peu plus notre espérance de vie? Sommes-nous donc à ce point en danger? On nous apprend même à se méfier de l'ami que l'on croise, qui pourrait être porteur du virus et que l'on check allègrement. L'absurdité atteint un tel niveau que l'on en vient même à priver les gens de travailler, de se voir refuser l'accès à l'hôpital, que ce soit pour des soins ou pour visiter un malade, si l'on ne détient pas ce fameux sésame. Dans les familles même, la discorde s'installe entre les pros et les anti-vax. Les invitations deviennent rarissimes et les effusions proscrites, tant la peur envahit les esprits et sème le doute au détriment de la bienséance et de la joie de se retrouver. Notre quotidien devient pollué par le mensonge et la propagande absurde. Nous sommes manipulés, conditionnés par la soumission. Réveillons-nous ! Thank you.
L'audio d'une vidéo que Pauline m'a transmise. Donc, c'est de la sénatrice Laurence Muller-Bron du Bas-Rhin qui passe un message fort. Voilà, merci. Donc, ça dure à peu près 5 minutes. Donc, je vous demanderai de bien écouter, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Entendre les partisans de la vaccination obligatoire, vacciner massivement les populations, apparaît comme une décision simple, une décision de progrès qui s'imposerait à tous pour faire reculer le virus. Et ceux qui osent douter, réfléchir et finalement faire un autre choix seraient d'obscurs complotistes. Pourtant, parmi eux, on trouve des institutions très sérieuses, comme l'Académie de médecine qui s'est prononcée contre une troisième dose généralisée, comme le professeur Alain Fischer, monsieur vaccin du gouvernement, qui se prononce contre la vaccination obligatoire, le contexte actuel ne le justifiant pas, comme le Conseil de l'Europe dans sa résolution du 27 janvier 2021, qui demande que la vaccination ne soit pas obligatoire et qui affirme que personne ne doit subir de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner. Récemment, 4 pays, la Finlande, la Suède, la Norvège et le Danemark, interdisent le vaccin Moderna pour les hommes jeunes en raison des risques courus. Ou encore les nombreux collectifs de chercheurs et de scientifiques qui expliquent leur refus du vaccin obligatoire.
Enfin, la France a inscrit le principe de précaution dans sa constitution. Il est impossible légalement d'imposer un vaccin avec des produits expérimentaux qui nécessitent un consentement libre et éclairé. Je rappelle que les injections ARN messager sont toujours en phase 3 expérimentale et ce jusqu'en 2023. C'est une autorisation de mise sur le marché temporaire. Chers collègues, au-delà des institutions, nous sommes tous destinataires d'informations sourcées et de publications de qualité, d'études et de rapports français et internationaux. Dans les documents qui nous sont transmis, on nous alerte sur l'insuffisance des preuves concernant l'innocuité et l'efficacité des vaccins, sur la sécurité des injections, sur la transmission du virus ou encore sur les risques qui pèsent sur la vaccination des jeunes, des enfants, sur les sujets souffrant de pathologies graves ou sur les femmes enceintes. On nous alerte aussi sur les dégâts psychiques des injonctions sanitaires. Il n'y a donc pas de consensus scientifique autour de la vaccination obligatoire et de masse. Il y a des vues et des orientations divergentes de la part des professionnels de santé. Parmi elles, adapter la vaccination au risque et renforcer le ciblage des populations fragiles. Réhabiliter l'immunité naturelle, dont des études récentes ont confirmé l'intensité, la globalité et la durabilité qui la rendent bien supérieure à celle des vaccins. Rendre aux médecins le droit de soigner à l'aide des traitements précoces reconnus. Ce sont eux qui connaissent le mieux l'état de santé de leurs patients. Mettre à disposition les données scientifiques et statistiques aux spécialistes de la pharmacovigilance, les universitaires, les virologues, les généticiens ou les immunologistes. Au vu de tous ces éléments, nous, parlementaires, chers collègues, quelle légitimité aurions-nous à rester sourds à d'autres arguments pour garantir la santé de nos citoyens ? Comment pourrions-nous nous contenter d'une seule doctrine sur la situation ? Quelle légitimité aurions-nous pour instaurer de manière autoritaire une vaccination obligatoire et une troisième dose alors que des médecins, des chercheurs, des soignants qui ont des compétences et l'expérience du virus doutent, au point de renoncer pour certains d'ailleurs à exercer leur métier et de renoncer à leurs revenus. Chers collègues, nous avons besoin d'un débat contradictoire. Nous pourrons naître des lois équilibrées et respectées. Il nous faut ouvrir ce débat et le nourrir d'une information loyale, transparente et indépendante. Si le gouvernement est convaincu et sûr de lui sur tous ces sujets, alors ouvrons le dialogue. Nous ne sommes pas la chambre d'enregistrement du Conseil scientifique et aujourd'hui, il est de notre devoir en tant qu'élus de la République représentant les Français, tous les Français, de restaurer le droit commun et les libertés publiques, car il y va de leur confiance. À cet instant où l'épidémie nous offre une accalmie, où le taux de vaccination de la population française a atteint des niveaux élevés, il est temps de renoncer à la vaccination obligatoire, il est temps de renoncer à la troisième dose, il est temps d'arrêter de supprimer des lits dans les hôpitaux. Bien au contraire, il est temps de faire un bilan et d'envisager de façon rationnelle la suite en sortant de la doctrine tout vaccinale. Plutôt que de gouverner par la peur et par le contrôle, il serait bon d'agir avec calme et raison. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, je voterai contre cette proposition de loi. Merci. Je suis aussi informée par mail pour celle que j'ai déjà, pour la liste que j'ai. Mais n'hésitez pas à aller consulter le site régulièrement, il sera mis à jour. À cette vaccination, je vous rappelle qu'il y a des tableaux de pharmacovigilance qui sont publiés régulièrement. Il faut les regarder, il faut les imprimer, il faut porter à la connaissance du plus grand nombre ces données de pharmacovigilance qui sont inquiétantes, on peut le dire, puisqu'il y a plus d'effets secondaires en quelques mois que depuis toute l'histoire de la vaccination. Donc c'est important de faire réellement.
De cercueils en carton, venez vous faire connaître vers nous et pour mettre tout en place. Ensuite, pour les pétitions, pour tous ceux qui n'ont pas signé la pétition pour Pauline et la lettre adressée aux députés, venez ici, les dames vont arriver et vous allez pouvoir continuer de signer les pétitions. Voilà, donc je vous remercie tous. Pratiqué par la personne individuellement. Donc la personne qui m'a donné ça a pu le tester et ça a bien fonctionné. Il avait donc l'attestation de réaction 19 et il a pu rentrer dans un lieu où le pass était exigé. Donc je vous invite à tester et à nous faire des retours. Elle doit assumer toutes les charges qui incombent à son cabinet dentaire. La pétition est en train de se signer ici à mes pieds. Nous, de fait, nous avons appris avec consternation que Madame Chania, docteur exerçant cette rue de crédit, a été suspendue de son activité.